quand même, parce que Raphaël et Daniel, ce sont pour moi des amis. Bah oui, bah oui. Ils sont vraiment des amis. Et je les apprécie énormément parce qu'ils ont ce côté très bohème, c'est vrai, très artiste. Et ils ont su inculquer à leurs trois filles ces notions artistiques. Je me souviens tout ce que, quand ton père dessinait dans un coin, ta mère, Lucille, elle te montrait comment faire des petites choses et machin et trucs. Et je suis sûre que les deux autres, Nathalie et Véronique, vous avez su aussi prendre toute cette, cette qualité de recherche de, dans l'art, dans la qualité de vie, dans, dans les, la façon de... Comment dire, de vivre la vie de la meilleure façon possible, la plus intelligente, la plus artistique. Ça, on le sent, là, chez vous. Hein. Ça, il n'y a pas à tortiller. Vous êtes vraiment dans la veine qu'ils vous ont inculqué. Cette veine artistique, mais également cette droiture. Cette droiture qu'ils ont, que, qui nous a toujours... réunie et qui m'a toujours vraiment touchée chez vous, cette veine artistique, la droiture, la persévérance, la gentillesse, attendez, la gentillesse, hein, la générosité, enfin que dis-je encore ? Merci. Tellement de choses. Alors, je voudrais vous remercier de cette invitation, de nous avoir réunis de vraiment un panel de et tous vos enfants et familles et amis. Moi, c'est un bonheur de vous connaître, d'avoir travaillé avec vous. Alors, bon, Daniel, premier adjoint, mon premier adjoint, MPA. MPA. C'était MPA, lui. Hein. C'était qui l'avait nommé comme ça. Alors, l'adjoint au festival également, graphiste du festival, et Raphaël, la secrétaire du festival, qui en fait beaucoup aussi, qui est l'adjointe de l'adjoint. Voilà, je suis l'adjointe de l'adjoint. Tu as bien dit ça l'autre jour à quelqu'un. Oui, tout à fait, je suis l'adjointe de l'adjoint. Mais bon, on est tous à turbiner et à faire du bon boulot, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup. Et puis, je voulais vous citer une anecdote qui est représentative des couples heureux, des couples qui ont duré. C'était récemment, il y a eu un film à la télévision de sur Rostropovitch. Et Rostropovitch, ce grand violoncelliste, qui a donc joué du Bach devant le mur de Berlin qui tombait en 1989, et qui était un subversif. Hein. Il a été quand même quelqu'un qui a résisté... au joug de l'URSS, qui a été même rejeté, hein, citoyen rejeté de l'URSS, lui qui aimait son pays, qui aimait beaucoup son pays, il a été réhabilité par la suite. Hein. Mais